Hey, mais si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à la chaîne si tu le souhaites. Tu peux soutenir aussi avec les liens dans la description vidéo. Merci beaucoup et bon divertissement. Oh yeah! Je suis épaté. J'irais même plus loin et je dirais que je suis époustouflé. Eidos Montréal, bravo! Bravo et félicitations. C'est incroyable de se dire qu'on a certainement devant nous la plus grande surprise de l'année. Ça, c'est même, pour ainsi dire, évident. Mais peut-être aussi l'un des plus grands jeux adaptés d'un comics de tous les temps. C'est dingue de le dire ainsi. Et même si il y a des choses à reprocher dans le jeu qui peut-être ne mène pas le titre vers le firmament, le septième ciel. Malgré tout, il y a une telle qualité dans le jeu que oui, j'ai été épaté. Bravo et félicitations. On va y revenir au niveau de ce test. Bonjour tout le monde, bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo, c'est BB300. Et ben c'est parti, on y va donc cette fois-ci pour le test de Guardian of the Galaxy. Oh yeah! Allez, c'est parti donc pour le test de Guardians of the Galaxy. Les gardiens de la galaxie, tout simplement. Ou peut-être devrais-je dire les gourdins de la galaxie. Si vous avez fait le jeu, vous savez pourquoi je dis ça. Évidemment. Les gardiens de la galaxie. Donc c'est un jeu Eidos Montréal, édité par Square Enix. C'est un jeu donc sorti sur console et PC. Donc depuis le mois d'octobre dernier, octobre 2021. C'est un jeu qui mêle action, aventure, mais avant tout un jeu qui va énormément mettre en avant le scénario, énormément mettre en avant, eh bien, le quatuor de personnages qu'on aura, et bien sûr d'autres personnages qui viendront s'immiscer à l'intérieur de ce groupe, ou en tout cas autour de ce groupe. C'est un jeu qui va parler énormément pour notre plus grand bonheur. Parce que très clairement, vous le savez, j'avais fait une petite vidéo découverte, notamment sur l'introduction du jeu. Introduction qui m'avait laissé un goût un peu amer. J'étais là en train de me dire, bon, super, l'introduction, enfin, ça montre les capacités du jeu, ça montre ce que l'on va avoir dans le jeu. Et je me suis dit, bon, pour l'instant, on peut pas dire non plus que ce soit très palpitant. Ben, heureusement que j'ai continué. Heureusement que je suis allé jusqu'à la fin du jeu. Chapitre 16, post-crédit aussi, n'oubliez pas, hein, on est sur du Marvel, il y a du post-générique, bien sûr. Un peu particulier d'ailleurs, mais post-générique quand même. Et en arrivant au bout du jeu, je me suis dit, ah ouais, waouh, waouh. Il y a eu un wow effect en fait. Ce qu'il faut comprendre avec ce jeu, c'est qu'on a un jeu qui, déjà, va forcément parler donc des Gardiens de la Galaxie. Gardiens de la Galaxie, vous connaissez certainement, que ce soit les comics ou peut-être même le film principalement, enfin les films, puisqu'il y en a eu plusieurs. Moi personnellement, j'avais bien aimé le 1, j'avais même beaucoup apprécié le 1, qui était vraiment sympathique, le 2 un petit peu moins, c'était un peu différent. Mais voilà, les Gardiens de la Galaxie, moi j'ai commencé à connaître à partir de ça. Vous le savez, moi et Marvel, pas une très grande histoire d'amour, j'ai toujours été beaucoup plus DC Comics, mais c'est vrai que je me suis dit, adapter les Gardiens de la Galaxie en jeu vidéo, bah c'est tout rien, c'est soit ça passe, soit ça casse, hein. Et évidemment, il fallait bien sûr respecter quand même un élément important, c'est-à-dire cette espèce de symbiose qu'il devait y avoir entre les personnages. C'est aussi ça qui faisait la particularité des comics, des films. Il fallait qu'on le ressente dans le jeu vidéo, il fallait qu'on le voit, il fallait qu'on vive finalement l'aventure avec eux. Donc avec Star-Lord, avec Gamora, avec Drax, avec Rocket et Groot. Ces personnages-là sont présents dans l'aventure et c'est un pur régal. Franchement, on va tout de suite aller dans le point fort du jeu. Et pourtant, Dieu sait que ça fait longtemps que j'ai pas été autant emballé sur un scénario. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi emballé par, et autant emballé par cette espèce de symbiose parfaite entre les personnages, dans les dialogues, dans l'espèce de lien qui va se faire entre tous et toutes. C'est une véritable prouesse ce qui vient de se passer.
on est en face d'un des scénarios, déjà un des plus intéressants de l'univers des super-héros et notamment des comics Marvel, mais surtout, je parle bien des comics Marvel, mais bien sûr, il y a Spider-Man et tout ça, n'oubliez pas, hein, évidemment. Mais surtout, moi, ce qui m'a mis sur le cul, littéralement, ça m'a mis sur le cul complètement, c'est que, punaise, c'est tout le temps marrant, tout le temps. Il se passe toujours des choses. Il y a tout le temps des petites phrases balancées comme ça, à droite à gauche, entre Rocket et Groot, entre Rocket et Star-Lord, entre Gamora et Drax, entre Drax et Star-Lord. Mais c'est tellement naturel, c'est tellement bien fait. Et je me suis dit, punaise, mais en fait, j'ai l'impression que c'est mes potes, quoi. J'ai l'impression que ce sont mes potes qui sont en train de me parler. Voilà, je suis en train de voir mes potes en train de parler, en train de rigoler, en train de se faire des vannes, H24. Et c'est vrai que ça marche, pourquoi ? Pourquoi ça fonctionne ? Parce que déjà, c'est l'identité même, pardon, et c'est l'ADN même de ce que veulent les gardiens de la galaxie. Et puis surtout parce que ça fonctionne très très bien. Les comédiens de doublage, comédiens et comédiennes de doublage, parce que oui, j'ai mis le jeu en VF. Bravo. Le taf, il est incroyable. Le taf, il est hallucinant. Mention spéciale à Rocket, qui est certainement le personnage le plus sympathique du jeu, ou en tout cas celui qui, pour moi, est d'une part le plus important, et d'autre part celui avec qui tout fonctionne très bien, et c'est peut-être même tout simplement l'un des meilleurs personnages retranscrits en jeu vidéo de tous les temps. C'est hallucinant, Rocket, c'est van sur van, tout le temps. Et pourtant c'est bizarre, parce que autant je suis pas fan absolu des films Marvel où ça vanne tous les 5 minutes, parce que moi, ma vision du film de super-héros, c'est parfois des films qui sont un peu plus sombres, un petit peu plus lourds dans l'ambiance et ce genre de choses. Donc c'est vrai que sur des films Marvel, je suis pas hyper fan, et sur des jeux, mais ça fonctionne de dingue. Il y a un moment donné, je vais pas tout vous dire bien sûr, mais il y a un moment donné, par exemple, Star-Lord et Rocket, bon, ils sont pas très 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 potes, puis à un moment donné, ils sont en train de se faire ouf ouf, waf ouf, et c'est débile, mais ils sont là en train de s'engueuler, puis ils font, non, c'est pas vrai, je ouf, waf, ouf, waf, waf. C'est totalement con. En plus, Rocket, de temps en temps, il te clash complètement toute l'équipe, il te balance des missiles à tête chercheuse, mais alors, laisse tomber, c'est un truc de fou. Et à chaque fois, il y a toujours la phrase, la formule qui fait mouche. Parce que c'est naturel. On est en face à des dialogues incroyablement naturels, incroyablement spontanés. Et c'est cette spontanéité qui fonctionne. C'est ce naturel qui fonctionne. Et c'est ce qui permet de véritablement déjà avoir de l'empathie envers les personnages qui seront avec nous. De la tristesse, de la colère, de la rancœur. Mais il y a plein d'émotions qui transparaît autour de ces personnages, et c'est véritablement ça le point fort du jeu. C'est même, on peut le dire, le point fort de ce jeu. On est en face d'un des jeux les mieux maîtrisés en termes d'ambiance de personnages, en termes de symbiose entre les personnages, en termes de dialogue. Il y a un vrai travail de fait, et ça m'a rappelé un petit peu finalement, déjà à la... ça ressemble pas vraiment, mais ça m'a rappelé un petit peu Mass Effect, ça m'a rappelé un petit peu aussi Uncharted, sur ce côté un peu très, comment dire, très tac au tac, en fait, des dialogues que l'on peut avoir. Et d'ailleurs, de toute façon, le jeu va avoir énormément de clins d'œil à plein de jeux. Et d'ailleurs, Mass Effect, je le cite, mais le jeu, il a des vibes de Mass Effect, c'est quand même assez incroyable. Quand vous allez voir dans cette vidéo, alors attention, on risque de spoil hein, dans ce que je vais montrer, forcément, malheureusement, je suis obligé de vous montrer des zones ou des environnements qui risquent de vous spoiler un petit peu. Bon, rien du scénar à proprement parler. Mais par exemple, on arrive à un moment donné, donc je crois que c'est sur la planète Nowhere, si ma mémoire est bonne, et t'arrives dans une espèce de ville en sous-sol. Punaise, mais c'est Mass Effect. C'est Mass Effect, c'est un truc de ouf. Et je me suis dit, en plus on l'avait fait en live, et j'avais dit aux gens du live, j'avais dit, mais j'espère qu'on aura une espèce de boîte de nuit ou quoi que ce soit. Eh ben ça n'a pas loupé, il y a une boîte de nuit, et à ce moment-là d'ailleurs, il y a un dialogue qui se met en place à mourir de rire, mais c'était tellement n'importe quoi, et en même temps tellement proche et significatif de ce qu'est les Gardiens de la Galaxie.
tout le dialogue qu'il y a avec notamment Cosmo, où justement il y a, c'est, bah, il parle comme ça, gardien de galaxie, et ça fonctionne tellement bien. Je parlais notamment des gourdins de la galaxie, ceux qui ont fait le jeu, vous savez pourquoi je dis ça. Tous les liens qu'il y a notamment avec Drax et un autre personnage que l'on voit, bah, de toute façon je peux vous le dire là, parce que bah, forcément vous allez le voir certainement dans les captures, le personnage de Lady Asbender, etc. etc. Et il y a plein de choses comme ça qui fonctionnent. Alors, d'ailleurs, si vous êtes fan de Marvel, de l'univers de Marvel, vous serez bien content de voir qu'il y a là aussi énormément de clins d'œil à l'univers Marvel. Et quand je parle de l'univers Marvel, ça peut être du Avengers, ça peut être du Spider-Man, ça peut être autre chose. Je n'en dis pas plus, ça peut être autre chose. Plein d'éléments aussi qui vont faire référence à d'autres personnages aussi des Gardiens de la Galaxie, et pas que. Par exemple, il y a un personnage... Alors moi, je connaissais pas, hein, encore une fois, hein, moi, à part les Gardiens de la Galaxie, à part Spider-Man, c'est vrai que je suis pas non plus un immense connaisseur de Marvel. Je connais, mais pas non plus le fin fond de Marvel, hein, clairement. Et c'est là où j'ai découvert notamment le personnage de Mantis. Ça va ? Énorme, ce personnage. Énormissime, ce personnage. Le personnage de Mantis, une fois de plus, la VF est incroyable à ce niveau-là. Parce que t'as l'impression que le personnage, il est là, il est à côté de toi, et il est vraiment, il existe vraiment, tellement c'est bien foutu. Et Mantis, c'est un personnage qui ouf complètement. À chaque fois, en plus, elle arrête pas de donner des surnoms aux personnages. Star Machin, le gros bonhomme vert, je sais plus quoi, le petit poilu, voilà, le petit poilu, c'est Rocket, forcément. C'est énorme, c'est énorme. Je vous dis, je fais une fixation, là, depuis 10 minutes à peu près, sur les personnages, l'ambiance, le scénar et tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est d'une richesse inégalée aujourd'hui. C'est incroyable de voir ce qu'ils ont réussi à faire à ce niveau-là. Et c'était pas couru d'avance. Pourquoi ? Parce que c'est tellement particulier, les Gardiens de la Galaxie. C'est évidemment ça, mais c'est aussi derrière un univers. Il faut que tout ceci se mêle l'un avec l'autre. Et il faut que ça fonctionne. Et il faut que du tac au tac, t'aies l'impression que ce soit réellement, comme je vous l'ai dit, naturel. Bah, ça l'est. Eidos Montréal, bravo. Je sais vraiment pas comment vous avez fait, mais on sent le travail bien fait. On sent le travail bien fait, et ça fait plaisir. Et ça fait littéralement plaisir. Bon, on va quand même parler aussi du reste. Parce que ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est ce que propose le jeu. Action, aventure, avec d'ailleurs un côté... alors, purement solo, hein. Faut savoir que, certes, vous avez les Gardiens de la Galaxie, mais vous ne pouvez jouer que Star-Lord. Petite déception, on ne peut pas changer de personnage, on ne peut pas prendre un autre personnage, l'utiliser, ce genre de choses. Ils agissent d'eux-mêmes. L'intelligence artificielle, d'ailleurs, de vos compatriotes est plutôt bonne. Elle fait le taf qu'il faut faire, donc là-dessus, ça fonctionne quand même plutôt bien. Vous pouvez leur donner des ordres, de toute façon, notamment pour mettre en place les attaques spéciales. Attaques spéciales, d'ailleurs, que vous pouvez récupérer grâce à des points de compétences. Plus vous allez faire de combats et ce genre de choses, et plus vous allez pouvoir récupérer des points de compétences qui permettront d'acheter, bah, justement, des attaques spéciales pour l'un ou pour l'autre. Donc des choses assez classiques, hein, finalement. Des tenues à débloquer également. Il y a des tenues qui sont hyper classe. Je ne vais pas trop vous en montrer d'ailleurs dans la vidéo, mais il y a des tenues qui sont hyper classe, notamment vers la fin. Je n'en dis pas plus. Mais c'est vrai que là-dessus, pareil, ça fait plaisir. Alors, une fois, c'est basique, hein. C'est basique, la manière d'être fait, mais voilà, ça existe et ça fait partie, là aussi, du décorum du jeu. Autre chose aussi qu'il y a à savoir dans le jeu, vous avez notamment tout un système donc d'upgrade d'aptitude, je vais le dire comme ça, où notamment vous parlez à Rocket sur un espèce d'établi, et ça vous permet donc du coup, eh bien, par exemple, d'avoir un bouclier plus résistant, de faire une attaque chargée, de pouvoir avoir plus de santé, etc., etc. Bref, des trucs comme ça, où vous allez, pour pouvoir les débloquer, ces aptitudes, il faudra les récupérer à droite à gauche, eh bien, des espèces de petites capsules qui sont disséminées ici et là, qui parfois sont même assez bien cachées. Vous pouvez d'ailleurs débloquer une aptitude qui permettra de faire, avec votre scan, de pouvoir scanner évidemment la zone, pour voir si, par exemple, il y a des objets intéressants et importants, mais aussi s'il y a derrière, eh bien, ce genre de petite capsule à récupérer. Pareil, c'est pas non plus ouf, les aptitudes, mais elles sont là, elles sont présentes. C'est ce qui vous a
j'allais dire ce qui vous apporte, pas du tout, mais c'est ce qui vous incite et c'est ce qui vous donne envie directement, bien sûr, de pouvoir ensuite, après, aller voir un petit peu ce qui se passe. C'est pas un open world, c'est pas un semi-open world, c'est un jeu, c'est comme Uncharted en fait. C'est vraiment la mécanique de jeu, c'est comme Uncharted, voire même peut-être plus qu'Uncharted, c'est plus comme Tomb Raider en fait. Notamment les Tomb Raider nouvelle génération. Tomb Raider de 2013, Rise of the Tomb Raider, etc., etc. C'est des morceaux de niveau que vous enchaînez, en fait. Des morceaux de niveau que vous enchaînez. Parfois, certains sont un peu plus ouverts que les autres. Mais encore une fois, n'attendez pas non plus grand-chose. On reste quand même sur un jeu qui est très dirigiste, avec parfois beaucoup, beaucoup de couloirs. Hein, ça, c'est une évidence. Hein. On retombe un petit peu, finalement, dans les travers hein, de ce genre de jeu. Pourquoi ? Bah, parce qu'ils ont bien compris que l'intérêt d'un jeu comme ça, c'était avant tout le scénario. C'était avant tout les personnages. Donc, du coup, on sent que toute la partie un peu plus jeu vidéo dans l'esprit, et finalement beaucoup plus classique, comme je l'ai dit, un peu plus dirigiste, un peu comme justement Tomb Raider ou Rise of the Tomb Raider pour ne citer que, bien sûr. Et c'est, alors ça m'a pas trop gêné dans le sens où de toute façon, comme derrière les dialogues font mouche à chaque fois, j'ai pas eu cette impression que c'était un manque. Par contre, et c'est un petit regret. Bah, le gameplay est clairement en retrait et notamment en second plan. Parce qu'en fait, c'est assez basique en fait comme gameplay. On se rend compte que les différents gunfights que vous allez avoir sont assez simples, simplistes. Oui, on peut déclencher des attaques spéciales. Oui, on peut faire en sorte notamment d'avoir un rassemblement. C'est-à-dire que dès que vous avez une jauge remplie, vous pouvez faire venir vos comparses et vous puissiez donc du coup et eh bien donner un petit peu de comment dire de d'envie justement de si vous réussissez en fait il y a un dialogue, il faut choisir le bon dialogue en fonction de ce que eux disent hein. Ouais, j'ai la pêche, ouais, je vais tous les défoncer. Choisissez bien parce que le dialogue en règle générale moi je choisis toujours le mauvais. Et ce qui est quand même assez énorme, c'est que le fameux rassemblement que tu lances, si tu te plantes, bah tu n'as rien. Tu n'as rien du tout. Donc du coup, tu peux déclencher une attaque spéciale qui foire. C'est énorme quand même. Ça, c'est énorme. Donc t'as Star-Lord qui est là qui dit « Mais oui, on va s'en sortir, etc. » Puis tu vois par exemple Gamora qui dit « Ah quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte lui ?»« Oh non, c'est bon, allez, on y retourne. » Par exemple, tu vois, un truc à la con comme ça. Et là aussi, encore une fois, ça fonctionne même très très bien. Donc ça, c'est cool. Autre point aussi sur le gameplay. Bon, les ennemis, l'intelligence artificielle, par contre, elle n'est pas forcément incroyable. Et parfois même, les combats s'éternisent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. On a parfois des combats qui sont beaucoup trop longs, beaucoup trop lents aussi sur certains, notamment, je vais pas dire boss, parce qu'il n'y en a pas déjà non plus énormément, mais la plupart sont quand même assez importants, hein, mine de rien. Mais surtout, voilà, on sent que il n'y a pas une grosse richesse de gameplay, il n'y a pas une grosse profondeur de gameplay. Est-ce que c'est gênant ? Non. Puisque le scénario, l'écriture et les personnages fait et font bascule, donc du coup, c'est vrai que ça équilibre le tout. Mais j'ai envie de dire, heureusement qu'on a quand même ce poids énorme, justement, du scénar et des dialogues qui pèsent dans la balance. Parce que c'est vrai qu'après le gameplay, on sent qu'il tire quand même un petit peu le jeu vers le bas, quoi, malheureusement. Parce qu'il est finalement très classique. Certains diront même trop classique. En fait, si on regarde bien, bah, il ressemble à des jeux PS2. Alors, c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, parce que rappelez-vous en fait de cette époque de jeux PS2 très classique. Markov Cry, et j'en passais des meilleurs, hein, il y avait eu quoi ensuite, Second Sight, ou même d'autres jeux. Des jeux finalement avec des gameplays basiques. Mais qui fonctionnait quand même plutôt bien. Ben en fait, les Gardiens de la Galaxie, c'est ça. Ce sont en fait des gameplays qui sont classiques. Et qui sont classiques de l'époque justement. De ces jeux-là, PS2, PS3, un petit peu action-aventure et tout ça. Il y a ce côté-là en fait qui ressort. Donc c'est pas péjoratif et c'est pas rédhibitoire. Mais voilà, clairement ne vous attendez bien sûr pas grand-chose à ce niveau-là. Puisque malheureusement, comme je l'ai dit, le gameplay passe vraiment en second plan par rapport à tout le reste. Techniquement, c'est un jeu qui est beau, c'est un jeu qui est joli, c'est un jeu qui est très agréable à l'œil, avec notamment des visages d'une qualité hallucinante, vraiment. Et je pèse mes mots en disant ça. On n'est pas du niveau d'un God of War, on n'est pas du niveau d'une exclusivité Sony, par exemple.
Mais par contre, qu'est-ce que c'est bien fait. Le visage de Gamora. Gamora, je la trouve déjà super classe, mais le visage de Gamora, moi, je l'adore. Elle est d'une classe, elle est d'une sensualité qui est hallucinante. Rocket. Non mais Rocket, cette petite boule de poil, est hyper bien foutue. Hyper bien foutu. Drax, c'est pareil. Et Star-Lord aussi. On a tout plein d'émotions qui transparaissent autour de ces visages-là. Il y a une vraie qualité qui a été faite ici à ce niveau-là, qui a été vraiment bien foutu. Ça marche de ouf. Ça marche de ouf. Ça fonctionne. Et c'est ce qu'on voulait en même temps. Donc là-dessus, pas de problème. Les décors sont plutôt beaux. Pareil, on va avoir des beaux petits panoramas, des beaux petits décors où là, tu vas te dire « Ah ouais, quand même, ouais, c'est sympa. Franchement, ça fait plaisir et tout. » Donc là-dessus, encore une fois, du très bon boulot, même si, techniquement parlant, c'est pas non plus un foudre de guerre, c'est pas non plus un truc où tu vas te dire « Waouh, c'est incroyable !» Non, bien sûr que non, techniquement non. Par contre, voilà, il y a une direction artistique, il y a une esthétique, il y a une... Pas une ambiance, il y a une âme, c'est un jeu qui a une âme, c'est un jeu qui a quelque chose, qui respecte aussi les codes voulus par les gardiens de la galaxie. Parce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, hein, sur ce genre de jeu, il faut essayer au maximum eh bien, de respecter les codes du genre, les codes du comics, etc., etc. Là, ça fonctionne, ça passe bien, et ça passe même plutôt très bien. Mais c'est sûr que techniquement, ça ne sera pas le plus beau jeu que vous ayez vu de votre vie. Mais on sent que, ouais, ils ont quand même bien bossé en règle générale. Savoir que aussi, si vous êtes sur console nouvelle gen, vous avez la possibilité de passer le jeu en 60 FPS. Vous pouvez, vous avez le choix, de toute façon, hein, 60 ou 30, hein. Vous pouvez regarder dans les options. Et le 60, finalement, est très, très agréable. Ça, ça fait plaisir également. Attention aussi au niveau des musiques. Vous allez avoir beaucoup de musiques sous droit d'auteur. Donc faites gaffe aussi par rapport à ça, si par exemple vous êtes streamer, parce que bah, les musiques sous droit d'auteur, ça pardonne pas. Vous avez un mode streaming hein, que vous pouvez activer bien sûr, mais les musiques par contre, si vous faites pour votre plaisir personnel, les musiques sont excellentes, hein, parce que c'est des musiques bien sûr très typiques de l'époque, hein, et qui sont là encore une fois bien sûr significatives de l'ambiance voulue des Gardiens de la Galaxie. Hein. Si vous avez vu par exemple le premier film, vous savez bien sûr de quoi je veux, en tout cas de ce que je veux parler, de ce que je veux évoquer bien entendu. Peut-être un peu trop long ce jeu. Peut-être. En fait, le problème avec ce jeu, c'est que à certains moments, tu sens que le jeu tire un peu en longueur. Tu vois, arriver au milieu, bon, il se passe un truc, tu dois aller chercher quelqu'un. Qui est. Bon, voilà, je vais pas en dire plus, mais voilà. Et bon, tu sens que là. Ça tire un peu, hein. On n'était peut-être pas forcément obligé de passer tout ça. Voilà, c'est. Ouais. Arrivé, chapitre 8, 9, on sent que ça diminue un petit peu, 10, 11, 12, tu sens que on étire un petit peu. En fait, c'est un peu comme The Witcher 3. The Witcher 3 avait eu ce même souci, hein. je vous l'avais dit justement lors de mon test sur le jeu. Je vous avais dit qu'à un moment donné, quand t'arrives au milieu du jeu, tu sens que le jeu, il cale. Tu vois, il cale un petit peu. Après, il redémarre. Hein. Il redémarre et ça pose pas de problème. Bah là, c'est la même chose. On sent que le jeu, il cale un peu, tu vois, il avance, mais un peu doucement, et peut-être même un peu trop doucement. Et du coup, voilà, il a quelques heures en trop, ce jeu. Un peu comme un The Last of Us Part 2, un peu comme un Ghost of Tsushima, pour ne citer que. Et on sent qu'on aurait pu passer certains éléments pas très intéressants, ou en tout cas faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus expéditifs que ce qu'on a vu là, où parfois t'as l'impression que ça dure un peu trop longtemps. Et sinon, la durée de vie, elle est bonne. Hein. On est entre, globalement, entre 20 et 30 heures de jeu. Pour un jeu purement solo, hein, je le rappelle, c'est quand même pas mal. Après, voilà, faut quand même se dire les choses. C'est un jeu que vous ne referez pas. Non. C'est un jeu que vous ne referez pas, ou en tout cas, pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que vous allez très vite sentir que votre aventure, elle se sera, je pense, plutôt bien passée. À condition, encore une fois, d'être, bien sûr, de ne pas être réfractaire à l'ambiance des Gardiens de la Galaxie. Hein. Faut être un peu réceptif, hein, forcément, à ce genre d'univers. Mais voilà, c'est un jeu que tu vas faire, tu vas terminer, mais que tu ne referas pas. Moi, de mon point de vue, je pense que tu ne le referas pas. De toute façon, c'est simple, dans les 5 ans qui suivent, tu ne le referas pas. Parce que il manque ce petit quelque chose qui donne vraiment envie de le refaire tout de suite. Peut-être aussi parce que le jeu est un peu trop long. C'est pour ça que je voulais remettre les choses ici à plat. C'est...
C'est une incroyable surprise. Et pourtant, je vous l'ai dit, Dieu sait que au début, ça partait mal. Au début, je me suis dit, l'intro, on dirait vraiment une intro de jeu pas terrible. Basique. Sans envergure, sans ambition, sans rien du tout. Et j'ai vraiment eu ce ressenti, hein. Et plus j'avançais dans le jeu, plus le jeu s'est découvert, plus le jeu s'est... comment dire, il est devenu beaucoup plus authentique. Il a pris de l'envergure. Et là, je me suis dit, oula, 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 il est en train de se passer un truc, là. Là, il est en train de se passer quelque chose. Et le jeu n'a fait que monter en puissance. À part, comme je vous l'ai dit, arriver ce petit moment de flottement. Mais le jeu, à un moment donné, il n'a fait que ça. C'est un jeu d'une qualité assez impressionnante. Vraiment, et je pèse mes mots. Et surtout, je trouve que c'est certainement un des meilleurs jeux vidéo Marvel qui existe à ce jour. On a bien sûr eu du Spider-Man par exemple, pour ne citer que lui, qui est exceptionnel, enfin même très 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 bon, excellent à plus d'un titre. Notamment le premier, je parle pas forcément de Miles Morales, mais en tout cas le premier, ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'en règle générale, les jeux Marvel, bon, ils ont jamais été vraiment très gâtés par la nature. Et on se souvient notamment de Marvel's Avengers. Rappelez-vous, oui oui, il existe toujours, malheureusement. Mais c'est incroyable, le jeu est d'une qualité assez impressionnante. C'est un jeu qui est fou à plus d'un titre, dans ses dialogues, dans son ambiance, dans cette symbiose entre les personnages. J'insiste encore une fois lourdement là-dessus, mais si vous êtes un minimum réceptif à l'univers Marvel et notamment à l'univers des Gardiens de la Galaxie, vous allez vous régaler avec ce jeu. Tout ce que fait Rocket est exceptionnel, tous les personnages, les dialogues et tout ça, ça fonctionne de ouf, ça fonctionne tellement bien. Il y a une alchimie qui est faite entre tous et toutes, qui fonctionne à merveille, d'une simplicité déconcertante, mais surtout d'une authenticité à toute épreuve, d'un naturel incroyable. C'est un grand jeu en fait, c'est un grand jeu. C'est incroyable de le dire ainsi, mais c'est un grand jeu. Et pourtant, ce n'est pas un jeu sans défaut. Je vous l'ai dit, le gameplay quand même pas mal en retrait, pas forcément incroyable. Le fait que le jeu est un peu dirigiste, même un peu beaucoup. Le fait que finalement le jeu ne surprend pas au-delà de son scénario et au-delà de ses personnages. Finalement, il reste un peu campé sur des positions qu'on connaît déjà maintenant depuis l'RPS2 et l'RPS3 de ce genre de jeu action-aventure. Mais c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait. La surprise est totale. Franchement, la surprise est totale. Je le redis et je le répète. Pourtant, Dieu sait que je suis pas fan de l'univers Marvel. Pourtant, Dieu sait que je suis DC Comics. Hein. Je vous l'ai toujours dit, moi, je suis DC Comics à 3000%. Mais là, ça a tellement fonctionné. Je me souviens de ces barres de rire que je prenais. Je rigolais, je pouffais comme ça en me disant « c'est con, mais ça fonctionne ». Ça fonctionne tellement bien. C'est bravo, bravo, bravo. Non, tout simplement bravo. Bravo. Il n'y a rien d'autre à dire. Bravo. Merci à Square Enix d'avoir fait confiance à Eidos Montréal. Bravo à Eidos Montréal. Je ne sais pas s'ils regarderont cette vidéo, mais bon, peut-être, on ne sait jamais. Mais bravo Eidos Montréal, vous avez fait un travail de titan et clairement l'une des meilleures adaptations Marvel et notamment de Gardiens de la Galaxie en jeu vidéo. C'est d'une qualité assez hallucinante, même si, comme je vous l'ai dit, en termes de gameplay, c'est un peu en retrait. Mais le reste est tellement bon que la balance penche en sa faveur. Et même positivement. Est-ce que c'est un jeu à faire ? Oui, largement. Est-ce que c'est un jeu qui va vous être apprécié à sa juste valeur ? Oui, je le pense. Peut-être pas forcément à prix fort. Parce que ça fait peut-être un petit peu mal au prix fort. Mais ne le loupez pas. Un jour ou l'autre, faites-le. Un jour ou l'autre, faites-le et vous m'en direz des nouvelles. Je me trompe rarement dans mes avis. Ça m'arrive de me tromper. Mais pour quelqu'un qui n'est pas du tout Marvel, avoir passé un moment aussi hallucinant sur un jeu Marvel, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que le jeu a fondamentalement quelque chose en lui qui est au-delà de tout ça. Au-delà de tout ça. Merci beaucoup, des bisous et à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse. Et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde
et à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Quel sacré coup de cœur, en tout cas. Quel sacré coup de cœur.